Bonjour, on va traiter un exercice de l'activité. Voici l'examen national de Mrs. Sissionova. L'exercice est le suivant. On considère dans une carte l'équation E. Bon, x au carré facteur de x plus y est égal à y au carré facteur de x moins y au carré. Bon, la première question. Soit x, y est une solution de E, on pose x est égal à dA, y est égal à dB, vérifiant que dB carré, facteur de A moins B est égal à A plus B, multiplié par A au carré. Bon, on a y est égal à dB, x est égal à A, dB. Il y a d'après la société mutuelle de BGCD, donc il y a D, BGCD de AB. Donc, D est égal à des facteurs de A. Comme D est positif, ici les nombres sont positifs, alors, des facteurs de A moins en B est égal à 0. D est différent de 0 car c'est un diviseur, alors, donc, est équivalent à A, B est égal à A. Donc, A est le sum premier entre eux. Bon, comme le groupe X met une solution de E, alors, X carré facteur de X plus Y est égal à y carré facteur de x moins y au carré. Pardon. Bon, on va remplacer x par dA et y par dB. On simplifie par d dans notre groupe. Bon, on a dA carré de dA plus dB. Il y a un dB carré, facteur de dA moins, pardon, dB carré. Bon, applique, bon, ici du haut carré. On va factoriser ici par D, donc nous avons le début, A, facteur de A plus B, A carré ici, est égal. Bon, on factorise ici par D, donc on aura D facteur de A moins B, donc D au carré facteur de A moins B au carré, donc on aura D carré, D carré facteur de A moins B au carré. Cela implique de puissance là, facteur de cube multiplié par D bon, on simplifie par D au cube, donc on aura A au carré facteur de A plus B est égal à DB au carré facteur de A moins B au carré. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. A au carré facteur de A plus B est égal à DB carré moins A, B, pardon. C'est A moins B au carré ici. Oui, c'est A moins B au carré. Oui. Bon, B, divisons que B est égal à 1. B, divisons que B est égal à 1. Bon, d'après cette égalité, on a
Donc cette produit est strictement positif. Alors A moins B c'est strictement positif, donc A est différent de B. Alors A moins B est non nul. Donc d'après ces écritures, on dit oui, on peut écrire. Pardon. Bon, cette écriture est équivalente à la suivante. Bon, deux facteurs, multiplie deux facteurs, de A moins B au carré est égal à A au carré avec le carré. C'est équivalent. Bon, cela implique que B divise A au carré. Multiplié par A plus B. Bon. Et comme le but de l'exercice de A est égal à 1, alors le but de l'exercice de A est égal à 1, ceci d'après les yeux. Bon, on utilise le terme du bilan pour montrer ce résultat. Donc, bon, si vous voulez, A au carré B est égal à 1. Donc, nous avons B divise A au carré facteur de A plus B et B A au carré sur le premier autre E. Alors, donc, B divise A plus B. D'après le théorème de Gauss. Bon. B divise A plus B. Bon, on va revenir
à l'égalité. Bon, on a, pardon. On a A en faveur de 2 en plus B est égal à 10 du carré. Donc, on va avoir B au carré. Donc, pour B, on a déjà on a B est égal à A. Donc, on a A au carré, faveur de 1 plus 1 est égal à 10 par 1 au carré, facteur de 1 de A, moins 1 au carré. Bon, cela implique que A au carré, facteur de 1 plus 1 est égal à 1 au carré, c'est 1, donc le facteur de A, moins 1 au carré. Voilà x appartenant à un étoile. D'après l'hypothèse, on considère donc un étoile comme un étoile l'équation x carré, facteur de xy est égal à un facteur de x moins y, c'est-à-dire le couple xy appartenant à un étoile comme un étoile. Donc, AD appartenant à n étoile, c'est un implique de AD. Bon, A et B ce sont des ordres naturels, donc A positif et B positif. Alors, A plus 1 est strictement, il est supérieur. Il est supérieur, c'est le moins 1.
d'après le théorème. A moins un divise A au carré. Bon, pardon. C'est le premier indicateur. Bon, c'est le premier indicateur. C'est un premier indicateur moins un. Alors, bon, on va utiliser ce résultat. Plus
Donc, puis 1 par sur la n, alors 2 sur 1 moins 1, pardon. Facteur,
2 au carré, 2t plus c'est 3t, donc est égal, et c'est 2t moins d, c'est d, d, donc d au carré, d au carré. Bon, on simplifie par d au cube, donc il nous reste. Voici x, y, solution de E. Alors, le couple x, y doit être égal à 24, 12. Si A est égal à 2, maintenant on va voir l'autre cas. Bon, maintenant, A est égal à 3. Alors, X est égal à 3D. Et Y est égal à D. Bon, si x est égal à 3d, y est égal à 3d, comme, pardon, comme, x sera la partie de y, ici c'est égal à y, c'est la partie de x, c'est moins y, au carré. Alors, facteur de 3d moins d au carré, cela implique que la d au carré est partagé d égal, et si c'est d puissance, bon, 3d moins d, c'est 2d au cube, au carré, pardon. On simplifie par d au cube, donc on aura par exemple est égal à d. Donc, x est égal à 3d, est égal à moins d, est égal à 27, et y est égal à 2, égal à 2, et x est égal à 27. Bon, si x et y sont solution de l'équation E, alors le couple x, y doit être égal à 24, 12, et le O, 27, 9.
Bon, maintenant, la réciproque. Il suffit de vérifier que c'est du couple, vérifier l'équation. Donc, pour D est égal à 24, donc pour XR, c'est égal à 24. Bon, on a X égal à facteur X égal à 24 en carré, facteur de 24. Au carré multiplié par 36. Bon, on va effectuer ce calcul. 24 multiplié par 24, on a 16, 1, 8, 9, 6, 17, 576 multiplié par 36. 6, 3, 42, 45, 30, 31, 18, 21, 22, 15, 17, 6, 13, 7, 20736 est égal à 20736. Maintenant, on va voir notre nombre combien il vaut. Maintenant, on va calculer y au carré plus x moins y. Y au carré si 9. Pardon, si 12 au carré multiplié par 24 moins 12 au carré multiplié par 12 au carré multiplié par 12 au carré égale 144 multiplié par 144. Bon, 144 multiplié par 144, 16 plus 1. 1, 5, 1, 6, 13, 6, 13, 16, 10, 2636, 700 par an. 700 plus 6, 11. Plus 6, c'est 17. Bon, donc est égal à 36. Donc ici, on a 24. Donc, le couple, 24 plus 12, c'est une solution. Maintenant, on va vérifier notre couple. 29, moins x sur carré, facteur de x plus y, est égal à 27 au carré, facteur de 27 plus 9. De 27 au carré, multiplié par 36. Bon, 27. Multiplié par 27, 49.
2 cartons en tissu. 4, 13, 1, 64, donc 9, 12, 1, 629. 629 multiplié par 36. 54. 12, 17. 36, 37. 27. 6, 8. 18. 4. 14. 16. 12. 22 644. 22 644. Bon, l'autre terme, je vais vous parler, facteur de x moyen de v au carré est égal 9 au carré 24. 25 fois 29 au carré est égal à 27 moins 9, c'est 18. Bon, 629 multiplié par 36.
12, 17, 37, 37, 27, 6, 8, 18 plus 2, c'est 20. 27 au carré. Donc 27 multiplié par 27. 49, 94, 2, 14, 18. 54, 29, 12. 12, bon, 9, 12, 1, 7. 729, multiplié par 36. 54. 5, bon, 54, 5, 12, 17, 42, 43, 27, 7, 2, 8, 8, 29, 4, 4, 11, 6, 2, 26 144. Bon, 54, 4, 5, 12, 17, 1, 43, oui, 27, 1, 6 plus 6 plus 2, c'est 8. 21, oui. Donc on aura 4, 14, 1, 12, 6. Donc 26 244. Maintenant on va calculer 4, 21 multiplié par 18 au carré, 18, 64, 8, 64, 18, 4, 12, 324, multiplié par 4, 4, 2, 3, 33, 16, 19, 24, 25, 24, 12, 26, 26 244. Donc, 27 carré, 27, 39, 39, bon, 24, 27 plus 9. 9, il y a 9 au carré. Donc, le couple, bon, 27, 9, et celui-ci, 2. Bon. Si le couple x, y est solution de E, alors x, x, y doit être égal soit 24, 12 ou bien 27, 9. Bon, l'inverse est vrai, donc S, donc l'ensemble des solutions de E et... Pardon.
Donc, S est égal au couple, bon, le contient du gérément, S est égal au couple, 24, 12, 27, 9. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention, à la prochaine.